Shalom. Aujourd'hui, je veux te demander, en tant que chrétien, toi qui me regardes, est-ce que tu te laisses guider par tes sentiments, tes peurs, tes craintes, ou est-ce que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu? Généralement, nous, en tant que chrétiens, on hésite beaucoup lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, lorsque Dieu met à nos cœurs des visions particulières, des projets particuliers, des missions particulières. On a peur et on se laisse transporter, on se laisse guider par cette peur. Et souvent, on ne réalise pas ce que Dieu a mis dans nos cœurs de faire ou ce que Dieu nous demande de faire. Dieu peut te demander, par exemple, va évangéliser dans tel endroit. Et souvent, ce sont des endroits bondés de monde. Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Mais c'est là-bas qu'il t'envoie. Tu entends cette voix-là fréquemment dans ton cœur et lorsque tu passes tout le temps à ces mêmes endroits-là, ça résonne dans ton cœur. Parle de Jésus à haute voix. Parle de Jésus. Mais tu as peur. Tu te dis, ah, dans cet endroit où il y a du monde là, de venir me ridiculiser. Ça peut être aussi un projet que Dieu te met à cœur. Et il y a une voix dans ton cœur qui te dit, mais lance le projet. Lance le business. Parce que tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, inspire-moi, donne-moi des idées de business. Mais voilà une idée que le Seigneur met à ton cœur de faire. Mais tu hésites, tu te dis, ah mais je n'ai pas assez de moyens, mais non, je ne peux pas faire, mais non, les gens ne vont pas acheter, mais non, je ne sais pas à qui vendre, mais les gens avec qui je vis, mon entourage, ils ne boivent pas ça, ils ne vont pas me faire confiance. Tu te mets des barrières et tu ne fais pas. Ça peut être même à l'église, Dieu te met à cœur de rejoindre un département. Dieu te met à cœur le ministère qu'il veut que tu fasses, l'appel qu'il a pour toi. Mais tu hésites, tu te dis, mais ah, chanter, moi devant les gens, mais je vais trembler, je vais tomber. Ah, moi, elle les enfants. Mon Dieu lui-même sait que je ne suis pas patiente avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi il met dans mon cœur, oh, les enfants, les enfants, les enfants. La Bible dit, le cœur même des rois est dans la main du Seigneur. C'est toi ton cœur que le Seigneur ne peut pas changer. Est-ce que tu sais toutes les capacités que Dieu a mis en toi pour les enfants là? Non. Ça peut être le département de la jeunesse. Tu vas dire, ah moi j'ai quoi à dire à la jeunesse? Avec tout mon passé, avec ma réputation dans mon quartier, dans ma ville où j'habite, les gens me connaissent. Les gens savent qu'avant j'étais une prostituée. J'étais dans l'adultère. Je sortais avec le mari des gens. J'étais la maîtresse des gens. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je veux juste être membre simple. Moi, je ne veux pas aller me ridiculiser devant les gens. Je ne veux pas que les gens me pointent du doigt et me disent « Celle-là, elle était maîtresse. Celle-là, elle était prostituée. Elle va venir nous dire quoi. Celle-là, elle était ci. Elle va venir nous dire quoi dans la jeunesse ici. Elle est un mauvais exemple. Elle est ci, elle est ça. » Non, je ne veux pas que les mamans des jeunes de l'église disent que j'influence négativement leurs enfants. Mais si Dieu te met à cœur de rejoindre le département de la jeunesse, et de prendre un poste, de prendre une position, d'exercer dans le département de la jeunesse, fais-le. Nous devons arrêter de nous laisser conduire par la peur, par les craintes, par nos sentiments plutôt que par l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu m'a mis le projet de Purple Stock, j'avais peur, bien évidemment. Ça résonnait fortement dans mon cœur. Et même jusqu'à la dernière minute, lorsque j'ai tout fini de crier, j'ai tout mis en place, le diable me parlait audiblement. Il me disait, c'est pas encore tard de tout supprimer avant de te ridiculiser devant tout le monde. Ce n'est pas encore tard de tout arrêter, d'oublier ce projet-là parce que ça ne va pas aller loin. Je ne sais même pas pourquoi tu commences ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué. Toi-même, tu sais que tu n'es pas une personne publique. Tu ne sais pas parler en public. Mais j'ai été choquée et étonnée lorsque je me suis lancée quand même dans ce projet de voir ce que le Seigneur peut faire au travers de moi, de voir que je peux parler, de voir que j'ai un potentiel. Vous savez, le Seigneur sait pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Le Seigneur sait pourquoi il nous envoie dans certains endroits. Le Seigneur sait pourquoi il nous confie certains projets, il nous confie certaines missions, il nous confie certaines visions. Tu es chrétien, tu n'as pas un esprit de peur. Tu dois avoir un esprit d'audace. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, tu as peur de quoi? Tout ce que tu vas faire, ce sera Christ qui le fera au travers de toi. Alors je t'encourage, chrétien, à ne plus te laisser conduire par tes peurs,
par tes sentiments, par tes doutes, par tes craintes, mais à laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.